vous allez bien. Écoutez, moi ici j'ai repris le travail. C'est dur, mais bon, je suis bientôt à nouveau sur un long week-end, donc ça devrait le faire. On est mercredi 6 juillet. J'ai encore un petit peu ma voix qui gratouille et je vais encore tousser un petit peu. Mais globalement, les symptômes du coco sont partis. À part ça. Du coup, je viens vous parler de cette lecture que j'ai dévorée. Les couleurs du silence de Delphine Giraud. Donc, comme je vous ai dit, je découvre l'autrice avec sa plume à travers ce roman. Je commence par le nouveau, voilà, que j'ai eu la chance de recevoir aux éditions Fleuve. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Je vous relis pas la quatrième de couverture parce que je l'ai déjà lue, je crois, par ici. Quand je l'ai reçue. Mais du coup, pour vous en dire un petit peu, donc je me suis très vite attachée au personnage de Lila. À sa belle famille, à son mari Karl, à son frère Pierre, à la. Elle s'appelle pas femme de ménage dedans, je crois que c'est Charlotte, l'employée de maison, à son fils aussi, Esteban, je crois. Je me suis vraiment attachée à cette ambiance, à leur vie, à la villa dans laquelle elle vit, son métier de graphiste aussi qui est passionnant. Enfin, franchement, j'ai bien aimé la découverte des personnages au début du roman, où il y a un petit peu de personnages. Je me suis dit, oulala, j'espère qu'il ne va pas y en avoir trop. Et en fait, petit à petit, ils se tissent des toiles entre chaque personnage. Et du coup, il y a des va-et-vient. Et on comprend les liens parfois légers ou parfois plus profonds qui se tissent entre chaque personnage. Et franchement, j'ai vraiment, vraiment apprécié ma lecture. En plus, c'est sur fond de mystère. Pas de thriller, parce que je pense qu'on n'en est pas là. Mais il y a quand même un mystère à résoudre. Et il est vraiment bien ficelé, vraiment bien mené. Moi, à un moment donné, de toute façon, arrivé à la moitié du livre, en fait, on apprend des infos au moment où on s'y attend pas dans le roman. Mais des grosses infos. Et du coup, bah, on a envie de savoir la suite. Et franchement, moi, je ne l'ai pas lâché. Il fait 300 pages. C'est assez dense. Mais franchement, il se lit super bien. Honnêtement, quand je l'ai ouvert, et j'ai hâte de savoir si c'est pareil pour vous, si vous l'avez déjà lu ou si ça vous fera pareil quand vous l'aurez lu. On voit cette magnifique couverture. On ne s'attend pas à cette histoire-là. Mais vraiment. J'ai pris plein de photos de certaines phrases qui ont fait écho en moi. Il y a des sujets traités qui sont lourd, important. C'est pas une histoire, c'est pas un feel good. Il y a vraiment des leçons à tirer de cette histoire. Non, franchement, moi j'ai vraiment rien à redire sur ce roman. Est-ce que c'est un coup de cœur? Eh bien, je me pose la question. Franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié et c'est une autrice que je rencontre normalement cet été. Donc j'ai vraiment très très hâte. Pour pouvoir échanger avec elle du coup sur ce roman et puis pour pouvoir découvrir aussi ses deux premiers romans, je crois que c'est le troisième, pour voir s'il y a une évolution au niveau de la plume, etc. etc. Parce que je suis dans mes pensées en même temps. Mais je sais que les 6 ans à t'attendre, il avait pu y avoir des avis mitigés, donc j'ai hâte de savoir celui-là. En tout cas, les bookstagrammeuses qui l'ont lu, pour l'instant, ont l'air d'en dire du bien. En tout cas, moi, je vous le recommande chaleureusement. J'ai beaucoup aimé. Donc ça se passe à Saumur. Il y a beaucoup de mystères en fait, même dans la quatrième de couverture. Même les romances peuvent être haletantes. Bah, c'est exactement ça en fait. Parce que sous fond de couple qui bat de l'aile. À cause d'un mystère extérieur. Et ben franchement, on ne sait pas trop au fur et à mesure de la lecture si les liens vont se ressouder ou si le couple va exploser en éclats avec plein de dommages collatéraux tout autour. Et c'est vraiment jusqu'à la fin, c'est poignant et scotchant. Vraiment. Moi je me suis dit, je l'ai pas vu venir celle-là. Donc vraiment, je vous le recommande. Dans la foulée, j'ai attaqué. Les Demoiselles d'Anne-Gaëlle Huon. Donc c'est aussi le premier roman que je lis de l'autrice. Pourtant, c'est pas le seul que j'ai dans ma bibliothèque.
J'avais commencé et puis abandonné même les méchants rêves d'amour. Et puis là, ça c'est le deuxième. Je crois que j'en ai que deux en fait dans ma Bible. Donc les demoiselles, j'en suis page 285 avec le joli petit marque-page. Je vous relis la quatrième de couverture. 1923. Rosa a 15 ans quand elle prend la route un froid matin d'automne avec une seule idée en tête, rejoindre le Pays Basque pour échapper à son destin. Derrière les montagnes, les ateliers d'espadrilles et la promesse d'un salaire. Là-bas, l'espagnol fait la rencontre des demoiselles, des femmes fantasques et mystérieuses vivant au milieu des livres, des jarretières et des coupes de champagne. Qui sont-elles? Quels secrets cachent-elles? Libres et incandescentes, accompagnées d'un majordome plus grand qu'une cathédrale, d'un chauffeur louche et d'un perroquet grivois, les demoiselles n'auraient jamais dû dû croiser la route de Rosa. Pourtant, ces femmes vont changer leur vie. Donc, en fait, c'est l'histoire de la petite Rosa qui a une jambe boiteuse, une mauvaise jambe, et qui, pour gagner un peu de sous, va s'en aller au Pays Basque pour ramasser un peu de sous toute la saison estivale et revenir à l'automne, je crois, chez Abuela. Pour la soigner aussi, parce qu'Abuela, je crois que c'est sa grand-mère, est malade. Oups. Et en fait, le trajet dure 2 jours, à pied, dans les montagnes, pour rejoindre le Pays Basque. Et le trajet ne va pas se passer comme prévu. En fait, très rapidement, j'ai pas envie de vous le dire, même si ça arrive tout de suite, j'ai pas envie de vous le dire malgré tout, mais il y a un événement très tôt dans l'histoire qui fait qu'on se dit, oh! Mince, enfin pauvre petite Rosa, qu'est-ce qu'elle va devenir maintenant? Ensuite, on la suit au Pays Basque en tant que dans l'atelier d'espadrilles. Et ça, les faits historiques qui sont présentés dans ce livre sont juste super intéressants et riches en fait, même si certains sont romancés. Et puis, bah, il arrive plein de choses à Rosa en fait. Pas mal de choses difficiles où on se dit vraiment la pauvre, enfin qu'est-ce qu'elle va devenir? Et puis à chaque fois on est surpris, et puis l'histoire continue, et puis Rosa grandit, et puis Rosa devient adulte, et puis Rosa a ses premières déceptions amoureuses. Rosa, entre-temps, elle a rencontré les demoiselles, ces femmes complètement fantasques, qui l'ont accueillie sous leur aile, mais qui cachent aussi des blessures. Ces femmes de la bonne société, qui viennent de Paris et qui cachent des blessures. Et qui ont un mode de vie vraiment très particulier. Même moi, j'ai dû relire plusieurs fois la même phrase en me disant, ah ouais, d'accord. Des femmes libres qui prennent cette liberté. Mais voilà, la liberté, j'allais dire, la liberté, ça ne fait pas tout. Si, évidemment, c'est très important. Mais malgré tout, elles ont des failles, elles ont des fêlures. Et on découvre leur histoire à chacune, bah, au fil des pages, en fait. Donc, je ne l'ai pas encore fini. Je pense que je vais finir les 50 dernières pages juste après cette gazette, enfin juste après là, juste après. Mais je me suis vraiment laissée happer par l'histoire. C'est ce que je peux dire pour l'instant. C'est que le début a été un peu pareil, pas mal de personnages. Je me suis dit, oh là là, est-ce que je vais pas décrocher comme j'ai décroché avec les méchants, même les méchants rêves d'amour, que je relirai évidemment. Mais non, j'ai été happée et franchement, je l'ai lu en 3 fois. Et j'aurais pu lire en 2 si j'avais eu plus de temps, mais vraiment c'est une jolie histoire, très riche, c'est ce que je retiens. Ah ben voilà, un récit de cœur riche en surprises et en personnages attachants. C'est exactement ça. La petite Rosa, on a envie de la prendre par la main, d'avancer avec elle, de trouver des solutions avec elle, de la soutenir, de rigoler avec elle, de pleurer avec elle. Et vraiment, il y a une richesse dans l'histoire où je verrais bien cette histoire en film, voyez. Voilà pour ça. Et du coup, je viens vous présenter aussi une petite réception qui sent bon, puisque j'ai reçu ma commande Ava Aimée. Et je peux vous dire, donc c'est présenté comme ceci, dans un petit. Des cartons dans des cartons en fait. Je sais même pas comment ça s'ouvre. Ça ne veut pas sortir, c'est tellement bien emballé. Regardez-moi. Ah, c'est l'abbaye de. Je ne sais plus le nom, mais j'ai été la visiter cette abbaye. Bon, en tout cas, elle est devant des champs de lavande, c'est pour ça que je dis ça. Ça sent. Ça sent.
Ça sent la Provence. Provence, France. Ce serait bien qu'il fasse le focus. Bouquet floral. Ça sent d'une force. Faut aimer. Faut aimer la lavande. Moi, j'adore ça. Je sais que tout le monde n'aime pas. Ça peut faire très toilette pour certains. Donc, j'avais pris celle-ci. Vous voyez, c'est très bien emballé. Tac, tac, il y en a encore un. Et j'ai pris celle-ci. Alors celle-ci, c'est la première fois. J'avais hésité avec un diffuseur. Oh, elle est lourde. Big City Life, Londres. J'allais vous faire ça. Big Ben. Elle est lourde celle-ci. Elle est en pierre, hein. Clairement, c'est de la pierre. Je suis trop contente. Elle sent trop trop bon. Alors, qu'est-ce qu'elle sent? Est-ce que j'ai un moyen de le retrouver? Non. Je vous redirai. Je vous l'écrirai. En tout cas, hop là, mon petit code promo de moins 40% est toujours d'actualité. Je vous le reglisse dans la barre d'infos et je vous le reglisse juste ici. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Il y en a pour tous les goûts, franchement, toutes les tailles. C'est un peu drôle de dire ça. Il y a des bougies à 3 mèches. Il y a des diffuseurs. Je crois qu'il y a des pipites aussi. Il y a même du savon. Enfin, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Parce que moi, je vous parle des bougies parce que j'ai une passion pour les bougies, mais je vous prendrai la photo. Elle est trop belle. Voilà pour ça. J'attends des petites réceptions. Avec un petit peu de chance, je les reçois demain. Du coup, je vous montrerai ça dans la semaine. Moi, je vous retrouve très bientôt, demain ou vendredi, pour une nouvelle séance, nouvelle session vidéo, du coup. Ciao, ciao! J'allais quand même partir et en fait je vois ça sur ma table et j'ai oublié de vous montrer. J'ai passé une petite commande sur le site Matou. Le site de Matou, je veux dire. Et en fait je me suis pris une petite tasse. Donc vous voyez, c'est une forme un petit peu plus petite que d'habitude, c'est en céramique. Et dessus, donc j'ai ce petit dessin. Je sais pas s'il va vous faire le focus. Toujours bleu, hein. Matou, elle adore le bleu. Des hauts, des bas et redéo avec un petit cœur. Voilà, je trouvais que c'est une petite tasse encourageante et cocooning. Je sais pas pour si c'est pour l'été, mais en tout cas, elle me plaisait bien. J'aime bien craquer de temps en temps sur la boutique de Matou. J'ai un petit pins aussi, des crayons de couleur. Et puis bah forcément, j'ai quelques-uns de ses livres. Voilà. Ciao. Week-end, je suis tellement fatiguée. J'ai toussé toute la semaine, j'ai une fatigue impossible. Alors que je sors d'une semaine de co. Enfin, je pense que c'est lié du coup. Bref. Je viens vous montrer.
Des petites réceptions. Alors, pour faire simple, rapide et efficace, il s'agit de la sélection Prix Nouvelle Voix du Polar aux éditions Pocket. Chère lectrice, félicitations, vous faites partie du jury pour la sélection du Prix Nouvelle Voix du Polar 2022. Voici les quatre titres sélectionnés par les libraires. Donc, La Part du Démon, qui est un finaliste français, ainsi que Memory de Arnaud Delalande. Ça, c'est Mathieu Le Serre, mais je vous en ai déjà parlé. Donc, je ne vous le présente plus. L'Enfant étoilé de Catherine Engberg, finaliste étranger, ainsi que Les femmes qui craignaient les hommes. Donc, en fait, pour la petite histoire, je crois que les libraires ont eu 10 livres à lire et ont sélectionné ces 4 livres-là. Nous sommes impatients d'avoir votre verdict par votre sélection d'un lauréat français et d'un lauréat étranger. Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour la remise du prix. Donc, très franchement, je n'ai pas encore lu les 4 lignes de couverture des finalistes étrangers que je vais lire avec vous. Par contre, les deux finalistes français me tentent beaucoup. C'était les deux qui me tentaient le plus. Donc, ça va être difficile de choisir, je crois. Celui-ci, je vous l'ai lu et relu, donc je ne vous le relis pas pour l'instant. Je vous en parlerai au moment où je le lirai. De toute façon, ce qui n'est pas compliqué, c'est que j'ai jusque fin juillet pour le lire, c'est-à-dire pas très longtemps pour lire les quatre. Le gang Pocket. Ils sont géniaux. Memory. Ah, il n'est pas très épais. Il fait tout juste 300 pages. Donc il y a moyen de le dégommer. Un meurtre, 8 témoins. Pas un ne se souvient de ce qui s'est passé. Et Arnaud Delalande, en fait, au moment où j'ai eu le Covid, je devais aller à une soirée Pocket où il était présent. Avec deux autres auteurs, je crois, ou trois. Et du coup, je suis trop contente d'avoir quand même son roman. Au cœur de Harmonia. Une clinique spécialisée perdue dans la montagne, un patient est retrouvé pendu en présence de 8 autres malades. Un suicide qui a tout l'air d'un meurtre déguisé. Un mort, 8 témoins, un huis clos. La combinaison parfaite pour une enquête vite résolue. C'est compté sans l'amnésie bien particulière que présentent les résidents. Leurs souvenirs s'effacent au bout de 6 minutes. Ils ont été témoins, mais ne se souviennent pas. Jeanne Ricoeur, jeune inspectrice de police, hérite de cette affaire impossible. Elle découvre une communauté à part, celle d'étranges victimes de la vie à la mémoire brisée, au quotidien fait de post-it et de mémos. Et tandis qu'elle essaie désespérément de reconstituer le puzzle du drame, ses propres démons refont surface. Je vais le dégommer. Et Mathieu Le Serre, il fait 450 pages. C'est déjà un beau bébé. Les femmes qui craignaient les hommes. Il fait 400 pages. Je ne connais pas du tout ces auteurs. Ni aucun. J'en ai lu aucun. Toutes, elles ont échappé de peu à la mort, au cauchemar des coups, des abus, au quotidien de l'emprise. Dans ce refuge sécurisé de la banlieue de Manchester, elles ont réappris à vivre. Ensemble. Alors que Cathy, leur conseillère et amie, a été retrouvée morte, noyée sous un pont. Un autre défi les attend. Meurtre ou suicide, la police aimerait bien le savoir. Ou plutôt, deux policiers, inspecteurs bourrus et sans tact. Comment faire confiance à nouveau à la gente masculine? Comment, à leurs mauvaises questions, donner de bonnes réponses? Et d'ailleurs, sont-ils capables de les entendre? Bon, celui-là, à première vue, me tente moins. Mais s'il est il a été sélectionné, c'est qu'il doit vraiment être pas mal. Et puis, L'enfant étoile de Catherine Engberg. Je ne sais pas si je prononce bien. En plein centre-ville de Copenhague, ça me plaît. Une jeune étudiante est retrouvée sauvagement assassinée dans son appartement, le visage marqué par d'étranges entailles. L'inspecteur Jip Corner et son équipière Annette Werner, chargée de l'affaire, découvrent rapidement que le passé de la victime contient de lourds secrets. Quant à la propriétaire de l'immeuble et également voisine, Esther, elle est en train d'écrire un roman qui relate dans les moindres détails le déroulement du meurtre. Simple coïncidence ou plan machiavélique commence alors pour Jip et Annette. Jippy et Annette, une plongée au cœur d'une ville dans laquelle les apparences sont mortelles. C'est un premier polar qui vous tiendra en éveil toute la nuit, original et glaçant. Un page-turner
Un premier roman que je vous recommande absolument. Bon, il a l'air pas mal du tout. Donc je suis trop contente. Merci beaucoup, le Gang Pocket, de m'avoir encore choisi. Enfin encore, dans le sens où je viens de finir le prix des lecteurs. On a voté là récemment. Donc je suis contente de continuer un petit peu l'aventure avec Pocket. Et là, vous l'avez peut-être vu juste avant. J'étais faire un petit tour en librairie. Un peu forcé, je vous l'avoue. Et en fait, j'ai craqué pour deux livres. Donc, tout simplement, celui que vous voyez partout, le tome 2 de Blackwater, La Digue. Je n'ai toujours pas lu le tome 1, mais il est prévu pour ce mois-ci, ou en tout cas cet été, au mois d'août. La couverture est toujours aussi magnifique. Regardez-moi là. Même l'arrière, tout est beau en fait. C'est vraiment une pièce de collection. Et j'ai de la chance parce que dans ma région, ils sont encore bien disponibles. Je lis pas la quatrième de couverture pour pas me spoiler, pour pas vous spoiler si vous n'avez pas lu non plus. Bon, des fois que ça délivrerait des éléments du 1. Mais de toute façon, je reviens dessus très très vite. Il est trop. Et puis, sur un coup de tête, un livre improbable, enfin. Plage, Hauteville. Regardez-moi. Lui aussi, il brille. J'aime bien ça. La couverture m'a attirée, la plus cool des libraires, de Abby Waxman. Je crois qu'il n'est pas sorti récemment, récemment. À moins que je sois à côté de la plaque. 2019, chez Bragelonne. J'ai déjà vu passer, pas dans cette collection-là, qui est une collection. Où est-ce que j'ai lu ça? Édition collector, tirage limité. Voilà, je l'ai trouvé très beau. Hauteville, j'aime beaucoup. Et la quatrième de couverture, en fait, a fini de me convaincre. Je vous lis tout ça. Nina Hill est libraire. Elle a une culture générale incroyable, un agenda bien rempli et un chat nommé Phil. Que désirer de plus? Quand on lui rappelle qu'il n'y a pas que les livres dans la vie, elle hausse les épaules et se plonge dans un nouveau roman. Quand Nina apprend la mort du père qu'elle n'a jamais connu, elle découvre aussi l'existence de nombreux frères et sœurs, exubérants à souhait, qui veulent à tout prix la rencontrer. Mais pour cette libraire introvertie, parler à des inconnus, c'est le bout du monde. Comme un malheur n'arrive jamais seul, elle découvre que son ennemi juré n'est pas insensible à son charme et voudrait mieux la connaître. Nina hésite entre plusieurs options. Changer d'identité, s'exiler sur une île déserte ou se terrer dans son appartement en attendant que ça passe. Le moment n'est-il pas venu de sortir de sa coquille? Ce roman sur l'affirmation de soi vous fera passer du rire aux larmes, booklist. Bon, je pense que je vais apprendre des choses dans ce roman et franchement, ça peut être utile. Voilà pour mes deux petits craquages en librairie. Pas du tout raisonnable, parce que franchement, j'ai pas trop de sous ce mois-ci. On est le 8 et j'ai pas spécialement besoin de livres. Je suis censée être en no buy, mais depuis le coco, en fait, j'ai décidé que pas forcément, donc voilà. Je vous reprends probablement ce week-end. Je ne sais pas si ce sera demain ou dimanche. Dans tous les cas, normalement. Sauf changement de programme inopiné, dimanche, je vais au Touquet à Paris-Plage à la rencontre d'auteurs et du camion qui livre. Voilà, organisé par le Livre de Poche. Ils font ça tous les ans, mais je crois que je vous l'ai dit juste avant, je ne sais plus. Et cette année, j'ai décidé d'y aller. Comme je sors de ma semaine de Covid et de ma semaine de travail, j'ai besoin de prendre l'air et ils annoncent un beau week-end. Donc, je vais essayer de profiter de l'air de la mer. Voilà, je vous dis.
En fin de compte, c'est très encourageant. Non, on est les plumes, tout était pour juste. Moi, j'ai rien vu. Viens, Zip, nous avons de l'ouvrage à la cuisine. Tiens, compte, je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, maman. Aujourd'hui, on est samedi 9 juillet. Comme vous l'avez vu précédemment, ma pièce lecture est finie. Sauf qu'il faut que je range mes livres en allant. J'ai encore plein de place sur les étagères, comme vous l'avez vu. Donc c'est juste génial. Par contre, j'ai très très peur que ça se remplisse très très vite. Mais pour l'instant, j'ai de la place. Je vais peaufiner mon rangement en allant. Là, j'ai voulu faire vite pour vous montrer... enfin cette pièce que je devais avoir finie fin juin et ça va faire un an que je suis dans la maison le mois prochain et elle est enfin en état d'être utilisée. Voilà. Jusqu'à présent c'était une pièce fourre-tout. Donc je suis très contente du résultat. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi je reviens rapidement vous voir. Pas pour clôturer la gazette, ça ce sera demain ou lundi au plus tard, mais parce que j'ai reçu 3 livres, 3 romans de la rentrée littéraire dont j'ai parlé sur Bookstagram, mais j'ai totalement oublié de venir en parler en gazette. Bah oui, bon, en même temps, j'avais le Covid. j'ai aussi des effets post-Covid que les médecins appellent, je crois que je vous en ai parlé en début de gazette, je ne sais plus, le brouillard mental. En gros, je n'imprime pas et ce que je dis ne correspond pas à ce que je veux dire, à ce qui se passe dans ma tête. Donc je suis un peu à l'ouest ces derniers temps. Excusez d'ailleurs mon début de gazette où j'étais très très fatiguée mardi, qui laisse à désirer concernant, je trouve, mon avis sur le roman de Delphine Giraud. Pourtant c'est un roman que j'ai adoré, mais je trouve que j'en dis pas suffisamment. Donc je reviendrai peut-être dessus dans la prochaine gazette. En tout cas, en ce qui concerne la rentrée littéraire aux éditions Albin Michel, j'ai reçu le nouveau roman de Victoria Mas, Un miracle. j'avais adoré Le bal des folles, vraiment. Là, c'est un petit roman de 220 pages qu'elle sort pour la rentrée littéraire. J'aime beaucoup cette couverture. Voilà Victoria Mas. Et je vous lis la quatrième de couve. Hop là. Sœur Anne, religieuse chez les filles de la charité, reçoit d'une de ses condisciples une prophétie. La Vierge va lui apparaître en Bretagne. Envoyée en mission sur une île du Finistère Nord, balayée par les vents, elle y apprend qu'un adolescent prétend avoir eu une vision. Mais lorsqu'il dit « je vois », les autres entendent « j'ai vu la Vierge ». Face à cet événement que nul ne peut prouver, c'est toute une région qui s'en trouve bouleversée. Les relations entre les êtres sont modifiées et chacun est contraint de revoir profondément son rapport au monde, tandis que sur l'île, les tempêtes, les marées, la végétation brûlée par le sel et le soleil semblent annoncer un drame inévitable. Donc le bal des folles avait remporté le prix Stanislas et le prix Renaudot des lycéens. Ah, il est adapté au cinéma. Je ne l'ai pas vu au cinéma. Donc là, c'est son deuxième roman. Donc si ça se passe en Bretagne avec un petit peu des légendes et tout ça, moi j'aime beaucoup. Ça craque dans la pièce, alors je regarde un peu ce qui se passe. Ça craque tout le temps dans cette maison.
Ensuite, j'ai choisi le nouveau roman d'Emma Baker, L'Inconduite, avec une couverture très originale, avec un extrait probablement de son roman. J'avais adoré La Maison de cette autrice, à la plume si particulière et aux mots justes qui raconte la femme, je trouve, globalement. Alors, dans celui-ci... Ah. Ma Baker est née, hein, j'aimerais... Son premier roman, c'était Monsieur. Oui, c'est ça. En 2019, La Maison, roman d'autofiction, dans lequel elle retrace son expérience heureuse de la prostitution, est publié aux éditions Flammarion. Succès critique et de librairie, il reçoit le prix France Culture Télérama. Elle vit aujourd'hui dans le sud de la France. Mais écoutez, là, j'ai pas de quatrième de couve, à moins que je ne regarde pas au bon endroit. Je peux vous lire ça. Peut-on rester femme en devenant mère? Peut-on rester soi dans le désir des hommes, avec humour et mordant, Emma Baker confirme son talent littéraire. Est-ce que la quatrième de couve ne serait pas ça? Telle est ma question. Qu'on me laisse parler de la façon dont la fréquentation des hommes m'a longtemps changée en servante, en muse et en geisha, de la façon dont ma volonté de les comprendre m'ampute de ma capacité à vivre lorsqu'ils sont là et qu'ils me regardent. J'emmagasine alors les impressions de vie pour les écrire et sentir quelque chose. Très intriguant. Moi, je vous conseille La Maison. Je crois que je l'avais pas fini, mais quand je l'avais entendu en parler dans la grande librairie, et franchement, je trouve que c'est une femme bluffante au-delà de l'autrice et qui assume ses choix, ses idées, et pour ça, chapeau. Et qu'il ait pu paraître ce livre La Maison dans le monde d'aujourd'hui, je trouve ça génial. Ça veut dire que quelques tabous tombent quand même au fur et à mesure et avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, c'est un peu positif, je trouve. Et enfin, j'ai choisi le nouveau roman de Franck Bouys, L'Homme Peuplé. Moi, j'avais adoré Né d'aucune femme, qui m'avait bouleversée. Pardon, ça fait une ombre. Et donc là, c'est un beau bébé aussi, hein, de 300 pages. Harry, romancier à la recherche d'un nouveau souffle, achète sur un coup de tête une ferme à l'écart d'un village perdu. C'est l'hiver, la neige et le silence recouvrent tout. Les conditions semblent idéales pour se remettre au travail. Mais Harry se sent vite épié, en proie à un malaise grandissant devant les événements étranges qui se produisent. Serait-ce lié à son énigmatique voisin, Caleb, guérisseur et sourcier? J'adore. Quel secret cache les habitants du village? Quelle blessure porte la discrète Sophia qui tient l'épicerie? Quel terrible poids fait peser la mère de Caleb sur son fils? Entre sourcier et sorcier, il n'y a qu'une infime différence. Au fil d'un récit où se mêlent passé et présent, réalité apparente et paysage intérieur, Franck Bouys trame une stupéfiante histoire de fantômes qui nourrissent l'écriture et la création. Moi, j'ai d'autres livres de cet auteur dans ma palle que je n'ai pas lu. J'ai vraiment lu Né d'aucune femme qui m'a scotché. J'ai eu la chance de rencontrer l'auteur à l'époque qui m'avait dédicacé du coup Né d'aucune femme. Et pareil, j'aime beaucoup l'entendre parler de ses livres, de comment il les écrit. C'était vraiment très intéressant. Voilà pour ces trois merveilles. Et du coup, bah, merci beaucoup Albin Michel pour ces très très jolies réceptions. Celui-ci se font merveilleusement avec mon bleu. Donc je vais lire ça cet été. Et puis sinon, en ce moment, vous voyez plus qu'on chine, je suis sur deux livres. Donc j'ai commencé La Femme de Chambre de Nita Prose aux éditions Kalman Levy, dont je vous reparle avec mon joli marque-page. Donc je vous reparle très très vite, je vous lirai la quatrième aussi à ce moment-là. Et puis là, j'ai entamé une lecture commune que j'ai donc proposée, puisque cet été, je vais lire plusieurs livres de chez Charleston. Je vais dégommer un petit peu ma palle Charleston. Et je lis Le Merveilleux, La Librairie des Rêves Ensevelis de Madeleine Martin. La couverture est sublime. Le dos, on n'en parle pas, c'est comme toujours. La quatrième de couve, je vous la lis très rapidement. Mais elle me fait déjà ressentir un coup de cœur.
Donc bien sûr, je vais attendre de l'avoir lu pour me prononcer. J'ai lu pour l'instant 25 pages. Mais j'espère le finir ce week-end. Franchement, il fait même pas 300 pages. Donc, et les livres de Charleston en général sont des petits page-turners quand même. Hyde Park, le grand magasin Harrods, les bus rouges à Impérial. Point de suspension. Déjà là, moi, entre la couverture et la quatrième, je suis conquise. En s'installant à la capitale, Grace Bennett découvre le charme et l'effervescence de Londres. Mais le travail qu'elle décroche dans une petite librairie est bien loin du glamour dont elle rêvait. Les étagères où s'entassent les livres croulent sous la poussière. Le propriétaire, Monsieur Evans, est aussi revêche et austère que l'intérieur exigu de son établissement. Et dehors, la guerre gronde déjà. Pourtant, entre les blackouts et les évacuations qui rythment son quotidien, c'est au cœur de ces rayonnages pleins à craquer que Grace trouve une ressource insoupçonnée et s'abandonne aux joies de la lecture. Une nuit de bombardement, alors que la panique règne dans l'abri anti-aérien où tout le quartier a retrouvé refuge, Grace commence à lire à voix haute. Et chaque soir d'attaque, bravant l'horreur et la peur, elle va puiser dans les plus beaux romans de la littérature anglaise l'espoir des jours meilleurs. Inspiré de l'histoire vraie des librairies londoniennes qui sont restées ouvertes pendant le Blitz, un roman historique poignant sur le pouvoir unificateur et inspirant des livres et de la littérature. Donc autant vous dire que moi j'ai les poils quand je lis cette quatrième de couve. Donc j'ai très très hâte de vous en reparler. Voilà. Et ensuite je vais m'attaquer au livre, au thriller, la nouvelle voie du... Le thriller et polar de la nouvelle voie du polar, du... Bref, je n'arrive plus à parler, je suis fatiguée avec ce Covid. Mais vous m'avez compris, il faut que je les lise avant la fin du mois, dans 3 petites semaines. Sur ce, je vous dis à très vite. Coucou, j'espère que vous allez bien. J'ai passé une trop bonne journée. Je vous prends rapidement, on est dimanche 11 10. On est dimanche 10 juillet et en fait je reviens du Touquet, Paris Plage, où j'ai été voir le camion qui livre. Donc j'ai eu un joli tote bag, je suis trop contente. Et j'ai acheté des petites choses, évidemment, j'ai aussi eu ça en cadeau. Lire, voyager, rêver, trop chou, c'est un petit nuage trop mignon qui va rejoindre ma bibliothèque. Donc j'ai fait des petits achats, livresques et accessoires. Vous connaissez mon amour pour les accessoires livresques et les goodies. Donc je vous montrerai tout ça dans la prochaine gazette. Il va falloir être encore un petit peu patient. Du coup j'ai vu Juju, Julien Rampin et Anne-Gaëlle Huon. Et j'ai fait dédicacer mon roman des demoiselles que j'ai adoré. Donc je vous lis juste la dédicace. Pour Héloïse, joie de te retrouver sous le soleil du Touquet après Fuveau. Merci d'être là petit cœur Anne-Gaëlle. Donc j'ai passé une trop bonne journée, j'ai adoré cet échange avec Julien et Anne-Gaëlle, deux auteurs que j'aime beaucoup et qui sont très abordables et très adorables. Donc je suis vraiment super contente de ma journée. J'ai eu le petit programme du mois de juillet et du mois d'août au Touquet, et à la Maison de la Presse du Touquet plus particulièrement. Mais vous pouvez retrouver toutes ces informations là sur leur page Instagram en fait, donc je vous en reparle pas plus longuement. Et puis je vous montrerai, allez je vous montre mes petits cadeaux. Donc j'ai eu le programme, en fait c'est le troisième festival du roman policier Paul Artifice. Donc c'est pas juste des romans, non c'est pas les romans qui viennent, c'est pas juste les auteurs de polar qui viennent comme je le pensais, au camion qui livre. En fait c'est vraiment un festival de polar qui est même annoncé avec un grand panneau à l'entrée du Touquet. Donc j'ai trop trop hâte. Voilà les auteurs. Excusez-moi, je vis à la campagne, donc il y a des tracteurs qui passent. Voilà les auteurs présents. Le parrain, c'est Frédéric Lepage, que j'ai rencontré à Martel il y a quelques semaines. Et puis, il y aura tous ces auteurs-là. Voilà. Mais c'est pareil, je vous donne pas tous les détails, parce que sur la page Maison de la Presse du Touquet, sur Bookstagram, vous pouvez tout retrouver. Absolument tout. En ce moment, ils font pas mal de publications à ce sujet. J'ai eu un petit livre, un petit carnet. Quand j'ai vu que c'était un petit carnet, j'étais trop contente. Il est trop beau. Franchement, on a été gâtés. Les gens qui s'occupaient du camion qui livre étaient juste des perles, beaucoup trop sympathiques, beaucoup trop abordables, beaucoup trop gentils. On adore.
ça tombe. J'ai adoré. Voilà. Je clôture ici cette gazette que je vais essayer de mettre en ligne dès ce soir. Et je vous laisse avec quelques images.